Avec le drapeau, tu vois. Ouais.
Hallo. Half weg. Kom aan hier. Wie zou je op je pitje zijn? Dat is 32. En de waarde is 32. Le bordel. Ça va mise en place à la dernière. Il Joël. Thank you.
un tête à queue, ça commence bien. J'ai failli faire un tête à queue, ça commence bien. Pour le jour de mon anniversaire, ça démarre bien. Et ils ont mis combien dans la compression de pneus? Oh putain, la 279, elle est dans le bac. Pierre-Yves, combien il a mis de pression dans les pneus? Juste par curiosité, s'il vous plaît. À l'avant, il y a la vis. Thank you.
Vas-y, allez, attends. Ok, allez, ça c'est Muller. Ouais. Il m'a fait le côté gauche. Mais ouais. Tranquille, un type il a. Pouah. Je lui dis merci. Pas la douche. Non, la serre. La toute noire. Et l'autre côté, c'est là. Ouais. Tu as fait. D'accord. Ouais. C'est normal. Hein. Comment s'est passé ce premier relais ? Très bien, merci. Difficile au début, un peu mouillé, le temps de prendre ses marques avec la voiture, et puis c'est été, j'ai pris du plaisir et je me suis bien amusé. C'est plus amusant un circuit dans cette configuration-ci, un petit tracé très compact, ou alors genre Francorchamps par exemple. Ouais, Francorchamps, ça reste évidemment le monument en Belge. J'aime beaucoup Francorchamps. J'aime pas mes thèmes, mais ici ça va. Alors, on sait très bien que les CE ont l'avantage sur certaines portions, les deux chevaux sur d'autres. Ici, c'est un mix. Par exemple, ou pas. J'ai pas été embêté par les CE1, ça se passe plutôt bien. Je pense que sur le mouillé ou sur la pluie, ça serait parfois sans doute plus compliqué entre les deux chevaux et les CE1. Mais ici, il n'y a pas de problème. Alors, un circuit assez gras. En calif, ça partait quand même pas mal en drift. Hein. J'ai vu quelques CA en tout cas partir en. Il a fallu un peu de temps avant que ça sèche. Mais maintenant, ça va. C'est plus pire. Merci à toi. Merci.
voici la ficelle. Thank you.
très belle. De branler, hein, je sais. Dans ta fille. Ça tourne, allez dire. Il aura tout fait dans sa vie. Multifonction. Le couteau suisse. Exactement. Il y a de la buée avec vos conneries. Il faut que tu enlèves. Il rentre prochain tour. Prochain tour. Prochain tour. Allez, chaud les gars, chaud. Allez, allez. Dans une minute. Allez, on se réveille, hein, bordel. Allez, 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 allez. Allez, chaud. Non, non, Stéphane, tu vas pas faire le mécanor, rassure-nous. On y va, là, c'est ici. Calotte de fier, vive ma vie de mécano. Combien lui donne 10 Papa. Il a bien fait ça. Ouais. Pas mal, hein. Au boulot. Thank you.
Putain, on a gagné. On a gagné. Ici, alors ah, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Super, merci à tout le monde. C'était vraiment génial, génial. C'est ma toute première victoire en plus, donc c'est magnifique. Bien joué. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Merci. Bon, bah, alors on a rejoué le coup de Manicourt, mais sur la voiture de Mika, cette fois-ci on a fait le même équipage. Ouais, c'est ça, ouais, pratiquement, mais en tout cas, merci, la voiture, elle va du tonnerre. L'équipe est super, merci à mon épouse, mon fils, même le Kimi Racing qui nous aide tous les jours, même si ici c'est pas leur voiture, c'est quand même aussi un peu grâce à eux malgré tout. Et merci à tous, vraiment, merci. Bon, il y a encore une course. Bravo aux autres. Il y a encore une course demain. On va faire le doublé. Le vla, le vla. On vise de doubler. Bon, on verra bien. Je vais juste voir Mickey. Ah, bon, Mickey. Il est là. Elle va bien. Excellent, Mickey. Alors Mickey, comme je disais, allez, on a refait l'équipe de Manicourt, mais sur ta voiture cette fois-ci. Ouais, ben il manque une personne. Et cette fois-ci, on l'a fait avec Alain. J'avais quelqu'un d'autre. Et j'ai fait comme l'année passée, j'ai été premier à Julien, Julien a fait un gros truc pour moi cette année. Donc je vais rendre. Voilà, on sent l'émotion, hein. On sent l'émotion. C'est pour ça qu'on aime le sport auto, pour des émotions pareilles. Hein. Pas possible. Bien Antoine. Ça va? Et toi? Thank you. Bon, Mika, le drapeau jaune, tu l'as eu, mais... Ah oui, il n'y a pas eu de full coursier là, mais c'est le jeu. Ça pour demain. Laurent, pas de course disputée? Oui, très disputée. J'ai tout donné. Voilà, je suis bien monté sur les eaux. Troisième, c'est bien. Maintenant, demain, sous la pluie, on verra. Massimo va essayer de faire le jeu. Fais passer la 219 ultra vite, des bons chronos. Ouais, mais tant pis, laisse-moi. Mais justement, dis-nous un peu comment se déroule en fait la grille de demain, parce qu'il n'y a pas de qualif. On prend la qualif d'aujourd'hui. C'est une bonne question. Je pense que soit c'est le résultat d'aujourd'hui, soit c'est la qualif d'aujourd'hui. Maintenant, de temps en temps, il change. Donc je ne peux pas te dire si c'est ça. J'étais plutôt concentré sur moi-même. Alors évidemment, ben, le PCH, le team de Mickaël Autofi, espérait un drapeau, un full course yellow. Il a eu un drapeau jaune, mais malheureusement, ce n'est pas le drapeau jaune qu'il espérait. Pour la beauté de la course, à mon avis, je pense qu'ils ont laissé la voiture dans le bac. Il n'y avait pas de danger. C'est ce qu'ils avaient dit au briefing. Donc, ils avaient dit que la dernière demi-heure, ils n'allaient pas mettre de safety car. Ils avaient aussi terminé la pédale. Qu'il y a faussé le résultat. Oh non, déconner. Donc voilà, moi, je suis satisfait. C'est très chaud. C'est une grosse concurrence même dans notre team. C'est jamais facile. Des fois, on se fait surprendre. En tout cas, un grand merci. La fin de la journée, parce que le week-end, il y a encore une course demain, mais la fin du week-end, la fin de la journée, comment ça va se passer? Une petite pinte, je suppose, pour fêter la troisième place. Doucement, hein, parce qu'on a des coéquipiers qui ne boivent pas, donc... On peut voir pour eux, il n'y a pas de souci. On va en boire une pour eux, mais voilà, on va quand même fêter ça, troisième, c'est... On espère toujours plus, comme l'année passée, on termine premier, et puis la deuxième, malheureusement, Massimo, avec des 4-9, la met dans le mur, avant de prendre le départ. Voilà, il m'a raconté cette mésaventure. Donc voilà, on fait tout pour demain, on va préparer la voiture. Et demain, c'est un autre jour, il va pleuvoir. Une autre course aussi. Une autre course. Maintenant, on va vraiment voir les vrais pilotes demain. Merci Laurent. Merci. Est-ce que t'aimes bien le jaune? Oui. Ça dirait bien. Ça va changer du rouge. Ça change pas trop de rose. On a un scoop, on a un transfert en direct là. On a un transfert en direct. Au revoir Loulou. Attends, il y a un nouveau pilote là. Il a signé le contrat. Et on aime les tracks limites. Et voilà. Je présente la nouvelle. Loulou.
entre les minutes que vous n'avez pas compté et un coup de retard, on va pas discuter. Alors là, on va tester la roue de qui a fait le barbecue. Bon, Chloé. À part la taille, c'est pas mal, sexy. Oh, c'est la bonne taille. Pas mieux que le rose. Oh non, j'étais heureuse, c'est parti. Et la BS, ça marchait plus depuis quelques tours, et puis ça revenait, et puis là c'est revenu, donc je me suis dit, c'est bon, on y va, non. Là, ça a pu y être. J'ai demandé trois fois qu'on est cherché, parce qu'il faut le récupérer. Oui, il voulait que je sorte, mais moi je voulais pas sortir. José, c'est fin de saison, je fais un transfert. Comment ? J'ai fait un transfert, c'est fin de saison. On n'a pas encore signé le contrat. C'est si, avec moi. Ah. Ouais. On a des preuves, on a des preuves. T'as réservé le restaurant ce soir ? Mais oui, on va où on essaye. À la même hôtel ? Oui. Non, je ne veux pas m'arrêter. Avec Super Nana. Avec Super Nana. Parce que là, elle est très bien. Au pire, on peut boire un verre après alors. Bon, Chloé, raconte-nous ce qui s'est passé. Beaucoup d'aventures, une journée mouvementée, pas comme on le souhaitait, peu organisée, mais bon, c'est comme ça, on fera mieux l'année prochaine, peut-être sur autre chose, mais peut-être. On prend la course demain, hein. Oui, mais demain, c'est notre jour qui pleut beaucoup, donc demain, on remet tout à zéro. Tu n'aimes pas la pluie ? Si, j'adore. Donc, ça peut être ton avantage ? Oui. Donc voilà, non, pas de chance. J'ai arrivé au bout de la ligne droite et il y avait plus d'ABS. Ça fait déjà 10 tours qu'on avait un problème avec l'ABS et là il s'est déclenché et je m'y attendais pas. Et c'était ça le troupeau et ouais. J'ai évité. Quand c'est comme ça, quand on est dans la voiture et dans le bac et que les autres sont derrière et qu'on ne te sort pas, il y a une panique, il y a un stress qui se met ou pas ? Non, il faut ramener un petit pansement pour le cœur. C'est et après tout. Ça va mieux. Bon allez, on va boire un petit coup et puis on oublie tout et demain. Et ça repart. Et demain ça repart. Merci Chloé. Merci à toi. Maxime, alors on est allé chercher cette victoire aujourd'hui. Oui, c'était chouette, on s'est bien amusé. Avec eux, surtout avec Mathias. C'est chouette, c'est bien. Bah, dommage que ça ferait un lâche à la fin. Et sinon, voilà. Bon, alors, il y en a plein qui disent que demain, c'est tout autre chose. C'est flotte. Demain, c'est la drache. On va autant s'amuser. Je vois pas. Avantage pour toi ou pas ? Je pense qu'on a beaucoup de choses à rouler sur la pluie. Ouais. Donc, on verra demain. On va pas essayer de pas trop fêter ce soir. Parce que normalement, du coup, aujourd'hui, on prend le shop, il y en a aussi. Donc on verra demain ce que ça donne. On fera mieux. On commence 6e. Voilà, on fait toujours mieux. Si on peut gagner, on gagnera. Si on sera 2e, on sera 2e. J'ai entendu en faisant des interviews, la consigne au briefing était la dernière demi-heure, si une voiture sort, pas de full oui, carry load. Bah oui, j'ai vu. C'est un avantage ou un inconvénient. Qu'est-ce que tu en penses de cette règle ? À la fin, j'ai trouvé ça légèrement dangereux, sans vouloir critiquer rien. C'est vrai que Chloé était derrière dans le bac, une deuxième voiture un peu plus loin. Ouais, je sais pas. Je sais pas, autant les dégager. En fait. Maintenant, pour l'esprit de la compétition, c'est pas plus mal. Dans le sens où il y a de la bataille, je veux dire, tu vois. Premier, deuxième, troisième, si ça se tient, évidemment, à 10 secondes même. Oui, mais de toute façon, si tu sors, autant te faire dépanner parce que tu seras quand même plus premier. Oui. Tu prends un tour, tu prends deux tours. Donc, bah bon, oui, je sais que c'est une règle qu'on fait ça souvent. Maintenant, c'est une demi-heure, sinon c'est un quart d'heure. Moi, oui, je sais pas. Il y a à boire et à manger, on va dire. Il y a à boire et à manger. Ok. Oui, la suite de mon interview, c'est ça. Demain, la grille de départ, comment est-ce qu'elle s'établit ? En fonction de la qualification qui s'est déroulée ce matin. Ah, ok, parce que je pensais que ça aurait été pu prendre les positions d'aujourd'hui. C'est les positions de la première course et la grille inversée pour les 10 premières places. Et ce matin, ils ont dit au briefing que c'était les mêmes que la qualif. Mais il y a une semaine, ils disaient qu'il y avait peut-être une qualif le dimanche aussi. Donc peut-être que demain, il y aura... Qu'est-ce que tu préfères ? Bah, s'ils font une grille inversée d'aujourd'hui, on est 10e. Ça peut mettre du piment dans la course. Ça peut mettre du piment dans la course, et comme il va pleuvoir. Maintenant, on part. Ah non, c'est pas vrai. Si je dis qu'on est premier, mais en fait, on est que.
Si, t'es premier. Hein. Oui, oui, mais ils font une grille inversée, du coup, on est sixième, je pense. Ah oui. Cinquième. Donc on reste plus ou moins à la même place. Ah, tu ne prends pas en compte la bah, place. Non, ils inversent la grille totale. Ils font un mélange, en fait, c'est ça. Ils ne font pas les deux chevaux d'abord et puis les CA. Le classement est là. Ah, ok, donc, d'accord. La première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la dixième. Donc on resterait 5 ou 6e, donc ça change rien, en fait. Okay. Et là, on part 6e de toute façon. Donc ça ne change rien. Il y a eu un peu du rififi, enfin pas du rififi, mais un peu de mal done ce matin au départ. Il y a eu quand même pas mal de voitures qui étaient pit lane. Oui, oui, je pense qu'il, oui, je sais pas. Quand on voit. Comme la course, ça fait vite après la qualification. Et quand on voit Michael Berbois qui part dernier et qui gagne la course aujourd'hui, c'est félicitations à lui. Et Mickey Mouse, il part dernier. Il part dernier, oui, il est parti de la pit lane. Ah, il a fait la pole, la pole, deuxième temps, mais ouais, premier ouais. En deux chevaux. Il n'est pas sorti du box à temps, il a été bloqué. Comme quoi, ce sont des endurances. C'est ça. Donc c'est pas nécessairement partir en premier. Il y en a beaucoup qui veulent toujours avoir la pole et partir premier, c'est chouette, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est des endurances, et comme quoi, même si on part dernier, on peut gagner. On a fait le coup à Magny-Cours l'année passée, on est parti dernier grâce à une pénalité qu'il avait pris. Et on a quand même gagné la course aussi, donc c'est régulier. Et voilà. Et c'est vrai que ce qui s'est passé ce matin, mais il commençait à dire 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, oui. Tout le monde était encore tranquille ici à l'aise. Puis le feu était à rouge, puis on remet. Je pense qu'il y a mal done, oui, tout voilà. Simplement. C'est... Ouais. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte que c'est la dernière course, on est un peu plus relax? Non. Parce qu'il y a une compétition quand même qui est là derrière, il y a un classement à jouer. Nous, on voulait clairement venir jouer le classement. Maintenant, il y a moins de voitures que normalement. Mais comment est-ce que tu expliques ça, qu'il n'y ait pas les Manu Canal, les Sylvain Priarolo, par exemple, pour ne citer que... C'est peut-être pas le circuit le plus sexy de la saison. Maintenant, c'est le circuit où on peut faire une course à prix plus intéressant que d'autres circuits. Donc c'est un peu à voir. Je ne sais pas, je pense que Manu Canal, il a cassé sa voiture. Oui, il a cassé sa voiture. Je ne sais pas, peut-être que certaines n'ont pas voulu faire le déplacement pour... Comme je dis, ce n'est pas le circuit le plus sexy... de la saison, je trouve. Même si aujourd'hui je me suis très bien amusé, j'espère que demain s'il pleut, ça sera quand même marrant. Mais donc, je sais pas. Peut-être une question de budget aussi. On peut le comparer à Mété ? On peut dire que c'est un grand Mété ou un petit Mété ? Un petit Mété. Ouais. Parce que à l'infrastructure, tout est, on va dire que c'est un petit Mété. Oui, tout à fait, Mété. Moi, c'est la première fois que je viens, mais je trouve qu'il est pas mal. Ouais. Pour nous, en tout cas, les médias, on a plein de possibilités. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, il a fait chaud. Demain il va pleuvoir, il y aura du vent, donc on en reparlera demain soir. Je pense que ça sera peut-être un peu différent. Pas de soucis, rendez-vous pris. Voilà, avec plaisir. Maintenant c'est le podium alors oui. Ou ils le font demain, ou fait les deux dents. Non, on fait le podium, on va voir un coup, et puis on se repose bien pour demain. C'est ça, tout à fait. Merci Maxime. Le premier podium général avec une C1 dessus, c'était pas loin. Et les hybrides ont quand même encore résisté. Assis devant. Ça ne durera pas très très longtemps, mais ça finira par... voilà. Et donc, à la troisième place du podium au général, nous avons nos chers vétérans, appelons-les comme ça, la famille Crespin et leur Grégario Bolland, qui a été embauché pour s'occuper d'eux. Hein. Mimi, assieds-toi. Donc à la troisième place, le team Crespin, la 65. Ouais. Alors, j'espérais que quelqu'un allait l'empêcher d'être champion tout de suite. Ça m'aurait arrangé que, par exemple, il ait deux trois petits soucis, mais à mon avis, ça doit. Ouais, si j'ai pas fait les points, mais ça doit pas être très loin. À la deuxième place, la 1, Stéphane Berthaud et Leonard Ricops. Il est parti chercher les repas. Et à la première place, Monsieur Michael Berbet. Le Grégario qui l'a débauché, Monsieur Alain Beauvrou. Il est où là? Il y a un certain jeune homme qui vient du coin et qui a roulé trois fois en deux chevaux et qui gagne pour la troisième fois. Monsieur Julien Darras. Je dois vous l'accréditer.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Alain, joyeux anniversaire. C'est qui général? La 161. Excusez-moi, je suis désolé, c'est la 007. Donc c'est la 007, la James Bond, qui est troisième. Je raconte n'importe quoi, je suis vraiment désolé. C'est la 98. Nous n'avons donc que deux catégories. En deux
deux chevaux. Donc, on va rappeler les mêmes personnes que, le général, que pour le général, à savoir, en troisième position, la famille Crespin, en deuxième position, et Philippe Bolland. Ouais. Il n'a pas encore été adopté, lui. En deuxième position, Léonard et Maxime Sto. Et en première position, Miguel. On peut tuer les
6, The Youngest Man, Io. Van Oeste Kaart. Geslagen. Ja. 276. Calvin. Wat een andere. Van Gulden. Fabrice. En Matthias. Et puis, c'est presque devenu une habitude, à la première place, mais me regarde pas comme ça, hein. C'est presque devenu, je fais tout doucement, pardon. Et à la première place, c'est presque une habitude, sur la 228, Andy Gabon et ses comparses, les deux frangins Alstin, States, en fonction de... Alors, un dernier mot, il semblerait que pour demain on ait commandé la pluie, en espérant que du coup le placement soit un peu différent. Et on vous attend tous demain pour le warm-up et une aussi belle course qu'aujourd'hui. La mise en vie.